Ce matin, on vous présente la 8e édition de Bourse Objectif Saine. Et pour nous en parler, on a la directrice Julie Maltais qui est en compagnie du parrain de cette édition-ci, Dany Michaud. Bienvenue à tous les deux. Bon matin. Merci, bon matin. Écoutez, on va commencer, on va replonger dans l'historique de Bourse Objectif Saine, remonter à la première édition. Dans quel contexte a été amené ce concours-là? La Bourse Objectif Saine a été créée par Objectif Saine, qui est le réseau des diffuseurs de spectacles du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est vraiment un événement qui a été créé pour valoriser puis soutenir la relève artistique de notre région. C'est un événement qui permet non seulement à des artistes de se faire remarquer, mais aussi à des diffuseurs d'éventuellement les mettre dans leur programmation, par exemple en première partie ou en intégrale également dans leur programmation. Donc, ça permet vraiment de rester branché sur les artistes, les créations de la région. C'est carrément un événement de réseautage, là. Littéralement. Si on met en contact les artistes, les diffuseurs, ça donne la visibilité à tout ce monde-là aussi. Tout à fait, ça permet des belles rencontres avec les parrains aussi, ouais. Qui a un partage d'expertise. On invite de plus en plus des agents, des producteurs de l'extérieur de la région à assister à l'événement pour donner une plus grande vitrine encore aux artistes là, de la région. Et là, quand on parle d'artistes, c'est quand même un terme assez général. Qu'est-ce que ça comprend, les artistes? Alors, nous, on s'adresse particulièrement aux artistes en art vivant, les artistes qui font de la scène, que ce soit en chanson, en théâtre, en danse, en humour, en variété, conte, magie même. On est ouvert à toutes les disciplines tant qu'on a un spectacle à nous proposer sur les scènes de nos diffuseurs. Avec la performance scénique. Tout à fait. Mais c'est vraiment tout ce qui est performance sur scène. Tout à fait. Pour adultes. Faut que ça s'adresse, là, parce qu'on a un partenaire qui remet un prix intéressant à nos participants, qui est l'Auto-Québec. Donc, le public cible du spectacle proposé doit s'adresser aux 18 ans et plus. OK. Donc, du coup, pour participer, j'imagine qu'il faut avoir 18 ans. Oui, aussi également. 18 ans et plus. Avant, on était 18-35 ans. Cette année, on élargit nos critères. Donc, on invite les artistes de 18 ans et plus à s'inscrire, à nous proposer leur création. OK, ça n'arrête pas à 35 ans, c'est vraiment… c'est nouveau cette année, oui. 18 ans et plus? Oui. OK, génial. Donc, probablement qu'il va y avoir beaucoup plus de participants, étant donné c'est ça que c'est ouvert pour les plus âgés. L'avenir nous le dira. On espère, on se croise les doigts, c'est à surveiller. Pour participer, comment ça fonctionne? Moi, je suis artiste, je fais de la performance, j'ai envie de remporter la bourse ou de me faire voir. Alors, comment je peux me participer? Il faut aller visiter le objectifscène.com avant le 18 avril. L'inscription doit être acheminée avant le 18 avril. Donc, il faut envoyer le formulaire avec un démo vidéo ou audio du spectacle ou de l'artiste, avec quelques détails, là, les photographies sur la discipline, la région d'origine, parce qu'évidemment, on veut que ce soit des gens d'ici. Ouais. On poste ça, nous, à Objectif 5. Tous les détails sont sur notre site Internet, comme je vous disais, objectif5.com. Donc, j'imagine que de tout ça, c'est des inscriptions individuelles, il y en a aussi de groupes. Oui, c'est ouvert à toute forme. Ça peut être des chanteurs solos, des groupes, des compagnies de danse, des compagnies de théâtre. Donc, littéralement. Il peut y avoir beaucoup de monde sur la scène. Oui, ça va nous faire plaisir de les accueillir puis de leur donner une vitrine. Donc, et ça vient garantir une grande variété aussi, une grande diversité lors des présentations. Et là, c'est ça. Là, on a soumis, on a été sélectionné. Comment ça fonctionne, les étapes à partir de là, à partir du moment où j'ai été sélectionné? Bon, nous, on a, à partir des dossiers reçus au 18 avril, il y a un jury de travailleurs culturels de la région qui va sélectionner les finalistes. Et ces finalistes-là auront une vitrine de 15 minutes lors de la finale de la Bourse Objectif 5 qui est présentée le 29 mai au camp musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Métabetchouane, Lac à la Croix. Ouais. Et puis, ça, c'est devant public et jury. Puis, à l'issue de cette soirée-là, on va nommer le lauréat de la Bourse Objectif 5. On va revenir sur la soirée finale, le gala final. Dany, on va traverser de ton côté un peu. Tu as accepté de parrainer ça. Tu es scénariste, réalisateur, comédien. Ouais. Quand même polyvalent. Très polyvalent, vraiment. J'étais content quand les gens, Julie et les autres diffuseurs de la région m'ont approché parce que je suis quand même, je suis un polyvalent, mais je fais beaucoup de scènes aussi. Puis je pense que c'est important pour les gens d'Objectif 5. Je fais beaucoup de théâtre, mais je suis allé aussi dans l'humour, dans la chanson. Donc, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Puis je suis très heureux de revenir chez nous parce que moi, ça n'existait pas quand j'étais là. Parce que moi, je suis parti du Lac-Saint-Jean il y a 20 ans. Je suis originaire de Dolbeau.
Puis c'est le genre de concours qui peut, moi je trouve qu'il stimule les artistes. Parce que des fois, tu sais, t'as besoin d'une date, t'as besoin de te mettre en danger en tant qu'artiste. Et je pense que quand tu sais qu'il peut y avoir ça, des fois ça peut même susciter la création de chansons, la création de numéros. Je trouve que c'est un bon motivateur pour les jeunes artistes ou les artistes. Pas nécessairement besoin d'être jeune, les artistes de la région. Oui, c'est ça. Les artistes en général. Ouais. Toi, en tant que parrain, pendant Bourse Objectif Scène, c'est quoi ton rôle exactement? Bien, mon rôle, premièrement, c'est d'aider la diffusion de l'événement comme on fait là, mais durant la journée du 29 mai, moi, je vais passer la journée avec les participants qui ont été sélectionnés parce qu'il va y avoir une répétition générale. C'est sûr que moi, je vais être un soutien pour eux, puis j'étais bien content de savoir hier avec Julie que je ne suis pas juge. Je suis pas juge de l'événement, je suis ami de l'événement. Oui, c'est... Mais avec les artistes, puis c'est important parce qu'en même temps, ça me donne une plus grande liberté de leur donner des conseils. Hein? Puis moi, je carbure beaucoup au plaisir, puis donc vraiment tenter de les aider, d'être bien sur scène, leur donner à la mesure de ce que je vais voir, tu sais, c'est-tu en chant, c'est-tu en musique, ils vont-tu trop vite, ils précipitent-tu, ils manquent-tu de confiance, regarder son public, prendre le temps de faire les choses comme il faut, tu sais, c'est des petits cues comme ça, puis en même temps, c'est ça, tenter de les calmer avec mon expérience, parce que j'ai quand même joué beaucoup dans ma vie jusqu'à maintenant. Donc, même en tant que réalisateur, tu es capable de diriger, d'encadrer les gens. Oui, tout à fait. Fait que tu as un bon bagage que tu traînes derrière toi. D'ailleurs, ça fait une bonne vingtaine d'années que tu es dans le milieu. Si on faisait ton parcours, parce que originaire de la région, tu sais, comment on passe? J'avais fait un an au cégep à Saint-Félicien, ouais. En sciences humaines. Sans maths, sciences humaines sans maths, sans rien, comme on disait à l'époque. Mais après ça, je suis rentré à l'école de théâtre à Saint-Hyacinthe et je suis sorti en 93. Mm-hmm. Et depuis, je me considère un privilégié parce que depuis 95 que je gagne bien ma vie avec mon métier, j'ai pas eu besoin de faire d'autres choses. Donc, j'ai fait beaucoup de théâtre, j'ai joué quasiment, je comptais ça l'autre fois, j'ai joué plus de 1000 fois au théâtre quand même. Okay. Depuis que je suis sorti de l'école, j'ai fait pas mal de télévision aussi. Puis depuis 4 ans, je dirige un théâtre à Carleton-sur-Mer, en Gaspésie, une compagnie de théâtre de création qui existe depuis 30 ans. Et c'est ça, puis je suis passé souvent dans la région. Même cette année, j'étais dans la pièce « 12 hommes en colère », qu'on a fait plus de 200 représentations, dont plusieurs, on a fait plusieurs cet automne ici, Dolbeau, Alma, Chicoutimi. Et présentement, je suis en tournée avec un spectacle qui s'appelle « Bienveillance », qu'on a une coproduction du théâtre Pape à Montréal et de ma compagnie à Carleton-sur-Mer. Okay. Et avec cette même compagnie-là, on a un beau projet aussi avec les gens du Théâtre de la Rubrique. On va créer à la scène la première pièce de l'auteur d'Arvida, Samuel Archibald, qui a écrit entre autres Arvida. Ouais. Donc, ça va s'appeler Saint-André de l'Épouvante. Ça se passe tout près de Métabetchouane. Donc, c'est la première pièce de Samuel. Et on est très heureux de coproduire ça avec le Théâtre de la Rubrique. Donc, on dirait que plus ça va, plus je reviens. Hein? Plus je reviens dans ma région, puis c'est vraiment... C'est un beau lien avec Samuel qui revient aussi parrainer un événement culturel aussi en région cette année. C'est comme un trip que vous payez ensemble à quelque part. Oui, mais en même temps, moi, je ne le connaissais pas du tout, Samuel. C'est vraiment... Je suis tombé en amour avec ses mots. Quand j'ai lu Arvida, immédiatement après la lecture de ce livre-là, j'ai regardé derrière qui était l'éditeur. J'ai appelé l'éditeur. Samuel était là par hasard. On s'est rencontrés 2 heures plus tard. Et ensuite, j'ai appelé mon ami Benoît Lagrandeur, ici au Théâtre de la Rubrique, parce que j'avais eu cette idée-là, parce que Samuel avait envie que cette pièce, sa première pièce, soit créée chez lui aussi. Mm-hmm. Fait que j'en ai parlé avec Benoît, qui a embarqué tout de suite dans le projet, donc c'est vraiment... Mais c'est des affinités. Puis Patrice Dubois, qui est un gars de Jonquière aussi, qui a déjà, entre autres, été parrain de l'événement, c'est lui qui va faire la mise en scène de ce spectacle-là. Puis, tu sais, c'est un plaisir pour moi. Mais c'est le fun de voir que nos gens d'ici reviennent, justement, pour des projets comme ça. Reviennent développer, parce que parfois, on n'a pas le choix de partir à un moment donné dans certains milieux. Oui, puis de façon professionnelle, en plus. Ouais. C'est ça qui est bien, parce que je trouve qu'avec des diffuseurs solides et importants, comme tous les membres du réseau Objectif Scène, c'est vraiment... Et aussi les jeunes et les moins jeunes qui vont participer à la Bourse Objectif Scène, c'est vraiment... C'est une tribune, mais c'est parce qu'il y a des affaires importantes, il y a des théâtres importants, il y a des scènes importantes qui existent, c'est important de les soutenir. Autant ces salles-là, ce réseau-là, que les artistes qui en sortent.
Écoute, visiblement, tu es un parrain idéal pour cette édition-ci. On sent la passion, flamme que tu as, l'intérêt que tu as pour ce milieu-là. On va revenir à Bourse Objectif 5, mais c'est à surveiller la coproduction avec le théâtre tout la à fait. Donc, on aura certainement l'occasion d'en reparler. Ici, je te promets, on viendra t'en parler. Génial. Avec Samuel. C'est bon. Pour en revenir, donc, on va revenir au gala. Premièrement, on est en pleine période d'inscription. Ça a commencé la semaine dernière. Oui, jusqu'au 18 avril. Jusqu'au 18 avril. L'événement final, si on rappelle la date. Le 29 mai, au camp musical de Métabetchouane, la Calacroix. Et là, monsieur, madame, tout le monde veut y participer, veulent venir assister à l'événement. Comment ça fonctionne? Il va y avoir des billets en vente? Oui, tout à fait. Là, dans le mois précédent, là, la présentation de la finale, on va libérer des billets à la vente. OK. Et au niveau du jury, là, il y a plusieurs catégories, j'imagine? Non, il y a une seule catégorie. Okay. Toutes les disciplines sont mélangées. Tout confondu. OK, c'est vraiment... c'est un pot pourri, là. Oui. Là, ça... Donc, mais il y a quand même plusieurs prix qui sont remis pendant la bourse. Oui, il y a un grand prix pour le lauréat qui comprend notamment une bourse de 2000 $ en argent pour aider au développement professionnel de l'artiste. On a la réalisation d'un démo aussi pour le lauréat. On a une diffusion professionnelle de son spectacle à l'Auberge Île du Repos avec un cachet, évidemment. Et puis, on remet aussi au lauréat et à la mention spéciale de la soirée une bourse de 1000 $ des entrées en scène Loto-Québec. Puis ça, ça vient avec... l'artiste est invité à déposer son dossier à la sélection nationale à la bourse Rideau. Ouais. Donc, le plus grand marché francophone du spectacle qui a lieu à chaque année en février à Québec. Donc, si son dossier est retenu par la sélection nationale, il pourrait être en vitrine et vu par tous les diffuseurs de l'ensemble du Québec. Fait que Bourse Objectif 5 peut être la flamme qui met le feu au bâton de dynamite. Là, ça peut décoller une carrière, c'est littéralement. Oui. OK, c'est vraiment intéressant comme prix. Des prix du jury aussi? Bien, ça, c'est remis par le jury. On a un prix du public aussi qui est remis. Donc, les gens qui seront présents seront invités à voter pour leur coup de cœur de la soirée. On a le Festival de la chanson de Saint-Ambroise qui vient sélectionner un auteur-compositeur-interprète pour l'édition prochaine du festival. Et on a les Sorties Racines aussi qui viennent sélectionner deux artistes qui vont présenter cet été sur la rue Racine-Achicoutimi. Il y a vraiment des beaux liens, des belles relations déjà préétablies, donc qui est à l'avantage de tous ceux qui vont participer à cet événement-là. Donc, c'est ça, il y a le gala final. Après ça, après le gala final, est-ce qu'il y a autre chose à surveiller aussi ou ça vient vraiment clore l'ensemble de l'événement? Bien, en fait, là, ensuite, après ça, on travaille avec le lauréat à la réalisation de son démo, la préparation de son dossier de candidature pour la bourse Rideau. Pour Rideau, évidemment, nous, on s'attache aussi à ces participants-là, donc on les accompagne dans tout ce processus. Et il faut préparer la 9e édition, certainement. Oui. Donc, là, on va savourer la 8e avec Dani. Donc, pour ceux qui aimeraient compléter les informations, avoir plus de détails, vous avez un site Internet, on a mentionné tout à l'heure. Vous avez une page Facebook aussi. Tout à fait. Tous les détails y sont, les formulaires, les critères d'admissibilité, c'est objectif5.com, puis comme vous dites, sur Facebook également. Donc, d'ici là, on soumet notre candidature. Oui, c'est important. Oui, c'est très important. Oui. C'est vraiment très avantageux aussi comme événement qu'on remporte un prix ou pas. Je pense que la visibilité est là, puis c'est l'occasion. Puis l'expérience aussi de faire ce spectacle-là, le partage des amitiés, le réseautage. Absolument. Quitte à ne pas sortir avec un prix, on va peut-être sortir avec un nouvel ami avec qui faire des projets. Ou un agent. On ne sait jamais ce qui peut arriver après des prestations. Fait que ça vaut vraiment la peine. Tout à fait. On n'a rien à perdre. On prépare la démo. On envoie ça par le site Internet. Ouais. Écoutez, belle 8e édition. On vous souhaite beaucoup de participation, beaucoup de succès. Et Dani, j'espère qu'on va se revoir pour parler des projets. On va se revoir bientôt, c'est ça. C'est génial. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous souhaite une belle journée. Merci.